le Sudred Adventure Race millésimé 2023 bat son plein à travers les Hautes-Alpes. La moitié de la course est derrière les meilleures équipes de raideurs du moment, engagées dans un raid multisport parmi les plus sélectifs au monde. La France croule sous la canicule et ses athlètes de l'extrême en souffrent. Qu'importe, ils et elles sont rompus à toutes les conditions. Mais après avoir grimpé à plus de 3000 mètres au cœur des Alpes du Sud, dans un trekking redoutable et engagé, les corps sont éprouvés. L'équipe qui gagne, c'est pas la plus physique, c'est celle qui arrive à gérer tous ses soucis annexes, en fait. Un total de 300 km pour 11 000 mètres de dénivelé, forcément, cette manche européenne de la Coupe du Monde Adventure One est réservée à l'élite. En tête, deux équipes de 4 riders issus de l'écurie Absolue Red mènent, mais à mi-course, rien n'est jamais figé. Y a de l'orage ! Après avoir couru, marché, pédalé autour de Vars et Risoul, les voilà de nuit à Aiguillé-Guillestre, attendant 6h du matin l'ouverture de la navigation en packraft sur une partie ardue de la Durance. Les équipes qui sont là, c'est les équipes de tête de course qui sont arrivées cette nuit. Donc il y en a qui ont dormi 6 heures, il y en a qui ont dormi que 1 heure. Donc là, ils sont à peu près 4-5 équipes à pouvoir repartir maintenant. Ouais. On est arrivé un peu tard et en fait, ceux de devant, ils étaient devant nous toute la course. Donc nous, ça nous a permis de les rattraper, mais on n'a pas beaucoup dormi. Donc ça va faire une grosse différence au moins dans les sections qui vont arriver. Quoi. On revient de super loin parce qu'on avait un coéquipier malade. Enfin, dans le gros trek, on s'est dit qu'on n'était pas loin de la bande-route. Et là, on est toujours là, il va mieux. Il y a différentes classifications en rivière concernant la pratique de l'eau vive. La difficulté et la technicité nécessaires pour franchir certains rapides classés de 1 à 6. Il y a une partie classe 3 ici. Malgré les prérequis et l'expérience énorme de ces équipes, il leur est interdit de prendre cette section de nuit, bien qu'ils en soient capables. Côté classement, les Leather Team de Red sont contraints à l'abandon. Bah bon, là, Camille, elle est partie à l'hôpital, du coup, on a dû abandonner. Elle a fait une déshydratation un peu sévère. C'est la dure loi du Red. Exactement. Et quand on voit les copains qui partent, ça fout un peu les boules, mais c'est comme ça. La course est déjà difficile en soi. Puis là, il a fait très chaud. Puis devant, ils se sont rendus coup pour coup. À chaque fois qu'un accéléré, ils accéléraient, donc ils sont allés des vitesses de dingue. C'est un raid qui est forcément difficile, forcément exigeant, où on a forcément des abandons. Ils sont allés à plus de 3000 hier. Là, ils vont faire de la rivière par 5 degrés. Donc oui, forcément, ça use les corps et ça provoque quelques abandons. Le classement général a quelque peu bougé. Les Absolu Red et Lordosar 4 et 2 sont en tête. L'équipe Bim Bim Team est troisième, un poil devant les 4 centimes Givaudan. Parti au petit matin pour plus de 20 km de packraft, direction Embrun, par les flots tumultueux de la Durance, ambiance. Il y a plusieurs manières d'aborder une vague statique scélérate comme celle du Rabiou. Les plus courageux la contournent, les plus téméraires l'affrontent en frontal, à chaque équipe son style. Passer par la rive a un gros inconvénient, le temps perdu, mais cela évite peut-être un bain forcé encore plus long à gérer. Bien entendu, nous sommes joueurs et nous sommes aussi parfois des vidéastes scélérats. Nous avons laissé traîner nos objectifs sur zone, espérant secrètement vous proposer un best-of de chavirages divers et variés. Là, la dextérité hors pair de ces équipes surentraînées nous a laissé comme pantois, sans voix. Les premiers, la sortie d'eau est proche. Aux alentours de 8h du matin, le soleil est monté assez haut pour à nouveau irradier les concurrents et surchauffer l'atmosphère. La T6, la zone de transition d'Embrun, est à portée de vue. L'accostage est libre, mais là encore, pas question d'abandonner son matériel à la sauvage ou de le confier à des assistants. Il faut sortir les packrafts de l'eau, les plier et se préparer à la prochaine activité, urbaine cette fois, qui pointe le bout de ses roulettes. Les cartes sont distribuées au fur et à mesure de l'avancement sur le terrain. À peine le temps de les consulter et on chausse les rollers. C'est la plus urbaine des disciplines. Beaucoup ne la maîtrisent que peu. Chiara Casari nous avait régalé de par ses capacités en descente sur l'édition 2021. En 2023, c'est plus plat et toujours aussi artistique à voir. On chambre, mais nous restons toujours aussi admiratifs sur les capacités de ces athlètes hors normes à enchaîner les disciplines, de nuit, de jour, sur tous les terrains, à toute altitude et en pleine canicule. Thank you.
Après le roller, va venir la course d'orientation dans et autour de la ville d'Embrun. Le classement reste le même depuis 6 heures du matin. Les Absolus Raids Aventure Cap Ganguiz ont dormi et sont encore plus redoutables devant. Suivi de la seconde équipe des Absolus Raids, de la Bim Bim Team et des 400 teams Givaudan. C'est entre ces quatre équipes que la bataille sportive s'organise. Aujourd'hui, c'est jour de marché, tous ne vont pas cantiner de la même manière. Pour se refaire une santé gustative, les tourtons seront les bienvenus. T'es dur pendant un moment ? Je dis cuit. Cuit, c'est cuit. Comment ça se passe dans ces cas-là, dans ces moments-là ? Eh ben, le capitaine, l'orienteur, prend un peu de mon sac. Mon fils prend le sac à dos. Et moi, comme ça, je suis léger. Et je trouve que ça a mis du temps à passer. Ça va mieux, là ? Ouais, j'ai le sourire. C'est bon. Ah ouais. Le moral des troupes est dans le fond de la gamelle. Reprendre des forces est un atout supplémentaire. Il va falloir un moral d'acier pour affronter le tracé de VTT, direction le lac de Serponçon. On longe le lac de Serponçon jusqu'à la baie de Saint-Michel. Il paraît qu'il y a une balise là où on a posé nos filles en colo. Et du coup, faut pas qu'on les croise parce que sinon ça va être dur. On va pas repartir. Ou alors elles vont nous encourager et ça va nous donner des ailes. Les balises 65 à 67 sont disséminées du côté de la forêt de Mont-Guillaume. Route, piste forestière ou sentier, tous les styles sont permis pour les trouver. Une fois la balise 67 et l'aire de transition, la T9 ralliée, les trois quarts du parcours ont été avalés. Généralement, le dernier quart se court au mental. Psychologiquement, c'est toujours mieux d'être devant. C'est toujours les Absolus Raids Cap Ganguiz qui mènent la danse dans la fournaise estivale. La Bim Bim Team et la 400 Team Givaudan ont attaqué les seconds, l'équipe Absolus Raids Aventure.fr. Le dossard 24 des Bim Bim est même à la seconde place. Mais ils ne le savent pas eux-mêmes et continuent donc de dérouler leur allure, sans pression et sans savoir que la victoire pourrait être à leur portée. 45 heures que le départ a été donné, la canicule s'emballe. Et par-delà la contrepétrie douteuse, les corps sont en surchauffe. On a un copain qui est un peu malade, alors on essaye de gérer là. Ah ben elle est pas bien aussi, elle arrive pas à s'alimenter, donc on gère pour que les deux puissent reprendre des forces. C'est pas, ils ont été malades. Pendant la Dark Zone, là, ils ont pris deux lyophilisés et ça les a brassés. On a fait une bonne nuit. Normalement, on est assez frais. Hein. Et voilà, je pense qu'ils ont été brassés au niveau alimentaire. Donc. Il faut que ça revienne. Voilà. Ça va ? Oui. Le coup de moins bien peut faire partie du jeu. Le coup de moins bien général est plus rare. Pourtant, clairement, toutes les équipes ont baissé de régime, alors que le thermomètre flirte avec les 40 degrés Celsius. La chaleur harassante donne envie d'aller se plonger dans les eaux turquoises du lac de Serponçon. Si la T9 est en bord de lac, c'est évidemment que les vélos vont retourner en caisse et les packraft ressortir de leur boîte. Tandis que les leaders, les dossards 4 des Absolus Raids Ganguiz, sont en train de se préparer à la mise à l'eau, les porteurs du dossard 24, les Bim Bim Team, débarquent. Là, ils commencent doucement à comprendre leur position au classement général. Les leaders aussi comprennent que la concurrence est toute proche. La pause baignade rafraîchissante semble compromise. Il y a deux balises peu communes sur 90 à aller chercher en packraft. La 68 est sur l'île de la Tortue, la 69 sur l'ancien viaduc ferroviaire de Chanteloube, dit le viaduc submergé. Les Bim Bim Team décident de manger équilibré grâce à notre plat de référence à l'international, les French Fries. Eh oui, les frites les plus populaires dans le monde, c'est nous. La sauce mayo, un bonus hypercalorique qui permettra peut-être au second d'aller chercher la tête de course. Avant le retour du trek, qui sera à faire avec les packraft dans le dos, sur cette section entre deux parties de navigation. La balise 68 sur l'île de la Tortue fait office de pointage chronométrique entre les deux équipes de tête. Moins de 30 minutes. Après presque 48 heures de course, les habitués le savent, ce n'est rien. Pour compléter le podium, là aussi rien n'est certain, elles sont 3e et 4e, mais toujours à la lutte, les équipes Absolus Raids Aventure.fr et la 400 Team Givaudan. En arrivant sur la plus chaude des balises, la 69, ce quatuor l'ignore, mais ils ont creusé un écart énorme sur la concurrence et ces quatre équipes ne vont plus voir personne dans leur rétroviseur avant un bail. Les équipes de tête vont profiter d'un fait météorologique qui va tout chambouler derrière elles. Quand la chaleur se fait trop torride en montagne, les orages grondent et finissent par tomber. La course va être scindée en deux. Quatre équipes élites en tête qui risquent de finir dans un quasi-sprint, mais elles sont à la limite de leurs possibilités. Une fois l'activité nautique terminée sur les eaux azur du lac de Serponçon, rien n'a changé au classement.
Le choix d'itinéraire reste toujours libre entre les balises. Les absolus, Cap Ganguise, ont fait le choix de débarquer plus tôt, de plus porter le packraft avec eux en trek que leurs poursuivants. Une tactique qui semble payer. Ils ont gardé et légèrement accru leur avance à l'approche de la balise 70. C'est de l'endurance, de la solidarité, ouais, de la bienveillance. C'est voilà, il faut rester humble, parce qu'on a beau être le plus costaud ou dire ah, c'est bon, des fois le coup de bambou il arrive vite et on peut vite descendre au fond du trou alors que 2 heures avant on courait, on volait. Il y en a toujours un qui va bien, on va dire, et qui essaie de remotiver les troupes. Après, on sait qu'on va tous passer par des hauts, des bas, et bah, faut serrer les dents à ce moment-là, faut se faire aider par les copains, et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance. Allez, comme il est beau cet orienteur. Une photo Tinder, non ? Tinder. Est-ce qu'il doit y avoir des matchs par ici ? Allez, mon yo-yo, c'est parti, là ! Petit Ben, allez, go ! Des équipes ultra favorites, il y en a déjà eu, mais c'est pas pour ça qu'elles gagnent, parce que s'il n'y a pas tout qui s'aligne ou tout qui se passe bien, bah, c'est compliqué le raid. Faut que tout se passe bien, en gros, qu'il y ait le moins de problèmes possible, en fait, c'est ça le raid. Et sur 3-4 jours, voilà. Il peut y avoir pas mal d'aléas. Il peut se passer plein d'aléas, voilà, mais il faut que ce soit les plus minimes possibles en termes de perte de temps. Ouais. Pour moi, c'est dur, hein. C'est pas le meilleur moment du raid. La stratégie, c'est d'essayer de combattre contre ce petit soleil. Mini détour. Mais je pense qu'il sera gagnant parce que on a vraiment tous besoin de se rafraîchir. Ça fait un moment qu'on a un coéquipier qui serre les dents. Donc du coup, il faut qu'on arrive à le sortir de ce petit mauvais pas. Allez, la baie des Moulettes va devenir plus qu'un lieu de baignade, un lieu salvateur. Pour faire retomber l'excès de chaleur, quoi de mieux que de se jeter habillé dans l'eau ? Et ne surtout pas se sécher ensuite pour sentir comme une sensation de fraîcheur intense temporaire. Ouh là, ça va repartir très 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 vite, ouais, je vous le dis. On va dire à ma maman que je me suis douché pendant le raid. Les Bim Bim Team, second, ont débarqué plus loin sur la côte. Ils n'ont pas pris l'option baignade revigorante, mais sont toujours dans les pas des leaders, plus que jamais même. À l'approche de la balise 70, il y a autour de 20 petites minutes entre eux. C'est un peu lourd, un peu chaud. Pour cette section, il y a les packraft, les pagaies, les gilets, un peu de matos de sécu. Ça rajoute vite 5-6 kilos chacun. Plus de 48 heures que le départ a été donné. Et difficile encore de dire qui va l'emporter. Après 3 épisodes sur cette Sud Raid Adventure Race 2023, il en reste un dernier à vous présenter. Plus que 20 balises à aller dénicher et 4 équipes qui peuvent encore l'emporter. Qui aura la plus fine stratégie ? Les leaders qui n'ont jamais encore concédé leur place vont-ils voir fondre sur une nouvelle équipe ? À la conquête de la victoire finale, rendez-vous dans l'épisode 4, l'ultime.